Quel échec ? Je crois pas. Ah non ? Non, je ne crois pas parce que ce serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte. Donc, vous estimez honnêtement, ce matin, que c'est pas un échec de pas avoir réussi à ce qu'il y ait un vote ? Parce que vous dites, il n'y a pas eu majorité, mais il n'y a même pas eu de tentation de vote. Il n'y a même pas eu de vote du tout. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'un texte passerait sous la Ve République sans jamais avoir été soumis à quelque vote que ce soit à l'Assemblée nationale. Avec des votes au Sénat, il faut le rappeler. Ouais, non, mais à l'Assemblée nationale, zéro vote. Mais je réponds à votre question dans son intégralité. Il y a eu deux votes au Sénat, deux votes majoritaires, et l'Assemblée nationale n'a pas pu voter. Pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas pu voter ? Il faut le rappeler. Ceux qui aujourd'hui à gauche vous disent rendez-vous compte. C'est pas parce que vous avez choisi le 49-3 ?